aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ma routine matin et soir, puisqu'elle m'a été demandée sur Instagram, surtout pour vous montrer un petit peu, puisque j'avais posté une vidéo, une photo, pardon, de ma routine. On m'a demandé en gros à quoi servait quel produit. Donc, on va commencer tout de suite avec donc le matin et le soir. Je me lave la peau avec la gelée Magnifica et ma brosse Silvercrest de chez Lidl qui fonctionne très très bien. Voilà, je me lave la peau, donc ça c'est juste pour se laver la peau, hein, clairement. Donc je passe mes démaquillants et tout avant, mais ça c'est pour nettoyer la peau. Après le nettoyage, bah écoutez, j'utilise l'Aqua Magnifica. Donc moi je l'ai en plus gros, mais j'ai encore 4 de ces petites choses-là. J'en achète très souvent. J'ai toujours les miniatures d'offerte pour l'achat d'un sérum ou pour l'achat de la crème. Ou que je rachète les crèmes, bah j'ai l'Aqua Magnifica à chaque fois en miniature. Donc je finis les miniatures avant d'attaquer les gros, hein, bien entendu. Donc voilà, je passe ça sur un coton pour bien désincruster les pores de ma peau. Clairement, c'est un tonique. Ce qu'il y a de plus traditionnel, il est mentholé, il sent très bon, ça a fait cet effet de frais sur la peau que j'aime énormément. Ensuite, bah écoutez, ça dépend si j'en ai besoin ou pas, hein. Mais donc là, ça c'est pour matin et soir, hein, clairement. Donc je pose ça, donc je mets ça de côté. Donc là, vous voyez un petit peu matin et soir. Ensuite, le matin, j'alterne. Donc ça dépend si j'ai un besoin de réconfort. Si j'ai un besoin de cocooning, de me sentir enveloppée, de me sentir, voilà, un besoin de chaleur. De chaleur, voilà, de chaleur, de, voilà, ça dépend. Si j'ai besoin de ça, je prends le masque des reines gelée perfectrice lumière, qui va donner de l'éclat et va relisser un petit peu les traits de votre visage. C'est une gelée assez épaisse, donc il en faut pas énormément, puisque en fait ils disent qu'il en faut une couche épaisse, mais en fait la gelée est déjà épaisse, donc il en faut pas énormément. On laisse poser 5-10 minutes, on frotte un petit peu pour la gelée devient une huile en fait. On frotte, voilà, pour un petit peu micro-exfolier la peau, et ensuite avec une émulsion à l'eau, on émulsionne avec de l'eau, ça devient un gel lacté. Enfin, une émulsion lactée, du coup qu'on peut rincer beaucoup plus facilement. Ça laisse la peau, voilà, souple, puisque c'est un lait qui vient d'être retiré. Moi, je tapote juste ma serviette par-dessus. Ça, on va dire, lisser les traits, pas forcément, mais ça éclaircit en fait le visage, puisque moi j'ai un peu des rougeurs, etc. Ça m'aide à aller un tout petit peu mieux. Je l'aime beaucoup. Pour son aspect réconfortant, il est topissime. Par contre, si j'ai besoin de purification, si j'ai beaucoup de boutons, si j'ai besoin, voilà, je sens que ma peau est encrassée, que j'ai besoin de la nettoyer, un peu voilà, de la malmener, on va dire, un petit peu la scratcher, voilà. Je vais prendre le masque Magnifica, donc purifie et resserre les pores. Alors resserre les pores, peut-être pas, mais purifie certainement, puisqu'il y a des extraits de citronnelle à l'intérieur, donc le citronnelle, voilà quoi. C'est l'aspect que j'aime le moins dans dans ce masque, parce que vraiment la citronnelle à la base j'aime pas trop. Ça va quand même, hein, je peux le porter. En plus c'est un masque à l'argile, et les masques à l'argile c'est pas mes préférés, j'aime pas réellement ça, mais il est très efficace, donc bien entendu je l'utilise quand même. Celui-ci on le laisse poser aussi de 5 à 10 minutes en fonction de ce que vous voulez, et moi je l'émulsionne pas, j'ai pas envie de m'embêter. Je prends juste ma lingette de chez Action, la rose, qui est en rupture de stock partout. Voilà, la lingette démaquillante que j'avais acheté en plusieurs exemplaires, mais ils sont dans les cartons à Reims, donc voilà, je tourne avec une en ce moment. Et en fait je la passe, donc je la passe sous l'eau tiède voire chaude, et ensuite je retire l'excédent voilà, de masque avec ça, et ça te laisse une peau purifiée. Donc sachez qu'après ce masque, la peau a peut-être besoin de beaucoup plus d'hydratation. C'est pourquoi je préconise l'essence Magnifica, concentré botanique purifiant perfecteur de peau, puisque lui va venir purifier, mais aussi apporter l'hydratation. De l'hydratation, pas en continu, mais une hydratation ponctuelle. Donc vous, en général, je le mélange avec, donc le matin, je le mélange avec la crème Magnifica hydratante, voilà. Mais là, après le masque, je le mets tout seul, voilà, pour apporter, flac, cette dose d'hydratation. Donc l'odeur est juste à tomber par terre.
puisqu'elle est aussi mentholée. Donc, coup de frais instantané. Pareil, les rougeurs, elles sont décongestionnées. Enfin, j'aime beaucoup, mais tout seul. Par contre, pas à outrance, puisque c'est quand même gras. Enfin, ça reste gras si on en met de trop. Si on en met 2-3 gouttes, ça va. Vous mettez un petit peu de façon homogène. Voilà. Moi, ce que j'ai coutume de faire, et vous allez me prendre pour une dingue, mais la brosse, alors je ne l'ai pas là, mais vous avez une photo sur Instagram. La brosse Silvercrest, en fait, donc avec les petits picots de chez Lidl, qui coûtait 15 euros, avec les petits picots comme la Luna de je sais plus quelle marque. En gros, je la retourne et sur le dos en fait de cette brosse là, il y a des petites vagues. Je mets 3 gouttes de sérum et là je viens appliquer avec le vibrateur mis en marche. Comme ça en fait, ça me fait des vibrations, ça me fait un massage en même temps que me faire pénétrer le sérum. Voilà, ça c'est dit. Si vous voulez me prendre pour une folle, allez-y, mais c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant de folle, on va choisir quoi comme mot du jour aujourd'hui? Eh bien, vu qu'on est un peu foufou sur cette chaîne, aujourd'hui c'est Ambre Salkèbre. J'espère que je l'ai bien prononcé, je suis désolée. Elle nous dit pour le mot du jour, licorne. Donc voilà, les licornes, c'est comme moi, c'est beau, ça pétille, ça n'existe pas surtout. Donc voilà, petite licorne aujourd'hui. Donc si tu atterris sur cette chaîne, que tu ne sais pas quoi me dire, juste voilà, faire signe, juste faire signe si tu es du genre à pas commenter du tout les vidéos des autres. On s'en fout. Ici, tu commentes, tu mets licorne et je te mettrai en réponse un gros cœur pour te dire que je t'aime. Parce que voilà, ici, on partage, même si c'est qu'un mot, voilà, un mot du jour, c'est le mot qui nous représente. Voilà, c'est votre mot maintenant en plus. Donc ça me plaît d'autant plus de faire partager ça avec vous. Donc tu me mets licorne et je te mets un cœur en retour. Donc voilà, combo des deux. Si vous avez besoin d'hydratation, ça tout seul. Sinon, en combo, 3 gouttes dans la crème de jour. Pareil, absorption instantanée, franchement, elle laisse la peau repulpée, mais d'une douceur de malade. J'adore ces produits, je vous en parle régulièrement. Ah, bref, voilà quoi, pas besoin de plus. Et c'est tout, hein. Alors, quelquefois, avec ce truc magnifica, je mets un petit peu de mon sérum C20 à la vitamine C pour redonner un petit peu d'éclat, de boost. Voilà, je mélange un peu les genres. Et voilà quoi. Et pour le soir, parce que oui, effectivement, le soir, vous avez vu que je me nettoyais tous les soirs aussi, que je passais mon tonique aussi. Et là, en fait, pareil, si vous avez besoin d'un peu plus, voilà, vous mettez le sérum tout seul, mais moi, je ne le mets pas tout seul, j'en ai pas forcément besoin. Donc, je mets ma crème des reines légère, soit un créateur de peau parfaite, la gelée royale pure, réservoir d'énergie cellulaire. Donc, je ne sais pas s'il est réservoir d'énergie cellulaire, mais en tout cas, c'est un bonheur à utiliser. J'en mets une noix dans ma main, je mets une pipette avec la gelée qui est quand même relativement épaisse. Voilà, donc je prends mon doigt, je tourne comme ça, voyez le geste technique, et ensuite j'applique sur mes mains et hop, sur mon visage. Donc ça, c'était pour mes routines Sanoflore et exclusivement Sanoflore. Après, j'avoue que j'utilise quelques autres choses et je vous ferai une routine du soir, puisque c'est relativement le soir que je prends 10 minutes, un quart d'heure pour moi, pour faire mes grilles de loto, pour gagner des bons d'achat. Mais ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Donc surtout, restez connectés puisque j'ai des bons d'achat à vous offrir. Voilà, je vous les donne. C'est moi qui les ai gagnés avec cette application-là. Mais cette application-là, je vous mettrai le lien dans la prochaine vidéo. Donc pour l'heure, là, on en a terminé avec ma routine Sanoflore. Je vous ai expliqué un petit peu ce que j'utilisais, pourquoi en fait. Tout simplement, j'adore ces produits, je ne peux que vous les conseiller. Donc voilà, chez Carrefour, Leclerc, dans les parapharmacies, vous les trouvez partout, vraiment partout. Sur les sites internet, je vous mets quelques liens où vous pouvez les trouver. Il y a mille et une pharmacies qui le fait, il y a Pharmacy Center, il y a pas mal donc tous les liens seront en barre d'infos. Et aussi, sachez qu'il y a plein d'offres. Sanoflore fait plein d'offres. Genre, quand tu achètes un produit, tu as une lotion offerte. Ou alors, quand tu achètes un autre produit, tu as une gelée des reines sérum en petit offert pour les tester, si vous voulez si vous voulez voir. Après, par rapport à pharmacie, vous pouvez aussi demander des échantillons qui sont totalement gratuits pour pouvoir tester ces produits avant de vous les acheter en full size. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire est dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours!